J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. En fait, pour la petite anecdote et la petite histoire, c'est que j'ai vlogué la semaine dernière, mais franchement, ça a été tellement décousu, tellement... En fait, j'ai regardé les rushs à la fin et c'était nul. Donc j'ai dit non, je poste pas ça. Donc du coup, j'ai pas posté de vlog. Mais du coup, à la place, j'ai posté le haul make-up. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vlogger vu que je fais quelques petites choses ce matin. Là, j'ai envie de me maquiller, mais je pense que je vais juste mettre du fond de teint. Poudrer, mettre du bronzer, etc. Mais je pense pas me faire les yeux. Je dis ça et vous allez me voir faire les yeux. Donc je sais pas trop. En tout cas, je vais tester le. Un fond de teint parce que j'ai envie de le tester et j'ai envie de croire que je le testerai avec vous, que j'ai déjà un avis. Donc c'est le Zoeva, c'est le Authentic Skin. Comme ça. Comme ça, il me fait énormément penser à des packaging vraiment très qualitatifs. En plus, Zoeva c'est tellement pas cher et bah, j'avais envie de tester. La teinte m'a l'air vraiment pas mal. Je vais mouiller mon bitume au chaleur, par contre très clair. Je dis ça à chaque fois, puis des fois ça va rien dire, puisque bien estompé des fois. Donc depuis un moment. J'ai pas vlogué parce que franchement il se passe rien. Franchement là on est lundi. Lundi combien? Lundi, je sais même pas quel jour on est. Enfin, si on est lundi, mais je sais plus. Enfin, je vous montrerai la date comme d'habitude. Mais du coup, je suis un peu là. Hein. Et pour le coup, je suis pas sortie depuis 3-4 jours. Donc, quand ma mère m'a dit, ah, on va à Chon et on va à Bruges, parce que maman, elle va aller chez Bruges. Elle va enfin résilier chez. C'est pas grave, attendez. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de mettre du correcteur parce que j'ai toujours un mini bleu là qui est en train de partir. Quoi que là on le voit plus. Attendez, je vais voir. Du coup, elle a pas peur d'aller chez ses parents parce que déjà elle m'a payé beaucoup moins cher et c'est carrément mieux. Bon, j'aurais peut-être dû prendre la teinte, la deuxième plus claire, parce que... Enfin là, c'est... Voilà. Par contre, je suis débile, j'avais sorti mes correcteurs. J'étais tellement... pressée de tester ce fond de teint que j'ai oublié. Donc je vais mettre juste ma première couche. Et franchement... Ça se passe... vraiment pas mal. Et finalement pour le bleu il se voit en dessous, il voit vraiment pratiquement plus, donc j'aurais pas mis de correcteur. Mais finalement j'aurais peut-être pas mettre de truc parce que franchement il cache bien mes boutons. C'est vraiment rare. Hein. Mais là, vraiment. Pas mal. Après, je vous dis, c'est juste une première impression. J'avais hâte de le tester. Donc, c'est pour ça que je le fais, quoi. Je testerai une prochaine fois au pinceau. Parce que j'aime aussi mettre mes fonds de teint au pinceau, mais pas tous. La merdée, ça fait vraiment pas joli quand je mets au pinceau. Par exemple, le Nils, vu qu'il est épais, ça va pas du tout au pinceau pas pour moi. Donc voilà, je vais en rajouter un tout petit peu
un gros bouton là. Par contre, il a l'air d'être blanche. Mmh. Pas gauche. Je vous assure que c'est vraiment pas mal du tout. Après, j'ai un petit peu. Ma peau est un peu en mode catastrophe parce que. Durant la semaine, 15 jours, où j'ai pas trop pu faire de masque, pas trop pu faire de soins un petit peu plus approfondis, parce que j'avais une espèce de routine, ma peau elle s'est un petit peu séchée, donc voilà quoi. Donc en tout cas, moi pour ma première version là, je trouve très jolie. Je vais juste le poudrer légèrement, je pense. Parce que là, je pense pas qu'il ait besoin de poudrer énormément. J'avais un petit peu peur si on m'avait donné. Quand je vois, je sais plus la description. Description Natural Luminous Foundation. Déjà, j'avais peur parce que moi j'ai une doigté qui est vrai. Donc, moi je suis obligée de poudrer. Et là, je ne vois pas si lumineux ça. Alors, est-ce que c'est la base que j'ai utilisée? Moi, j'utilise tout le temps ma base de licence, mais c'est pas une base matissante, donc je ne sais pas. Je vais bien voir. Je veux juste faudrait un chouïa. Là, je vais mettre mon ancien. Mais du coup, donc, le programme de la journée, ça va être plus ou moins simple. Mon père va aller à l'action. Moi, à l'occasion, je voulais y aller donc ça tombe bien et on va aller à Bouygues. Puisque je dis, ma mère est en train de le résilier et se faire, et du coup, elle va aller chez Bouygues comme moi. Donc voilà. Et après, bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien aller dans un magasin bio. Donc pour voir. J'aimerais bien m'acheter du. Alors, je sais pas si je vais le trouver, donc ça va être encore une autre histoire. J'aimerais beaucoup trouver du titri, donc pour. De l'huile d'hydrater pour mes boutons, parce que j'ai une routine la roche posée. Et d'ailleurs, j'ai mis cette crème. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que. Voilà. C'est la Effacla, mais la Effacla matte. Je l'aime beaucoup quand je me maquille. Et franchement. Je pense que ça va être ma nouvelle crème. J'ai l'autre aussi, la Effacla Duo Plus. Mais elle est un petit peu plus. Bah, elle est pas du tout mal, donc. Fatalement, voilà quoi. Du coup, je vais poudrer mon dessous des yeux. Bah, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Et j'ai pas non plus un temps infini. Puisque après. On va me dire que je mets 3 heures à me préparer. Et c'est faux, c'est juste que je vous ai parlé. Je poudre le dessus des yeux. Ma poudre banane de Too Faced, comme d'hab. J'aime trop cette poudre. Maquillée, j'avais dit que je faisais pas les yeux. C'est toujours comme ça, hein. Franchement. Ça en devient rigolo parce que je sais pas, je dis non, je fais pas les yeux, je fais juste le teint et tout. Ouais, tu mens. Donc pour les yeux, j'ai utilisé deux palettes. J'ai utilisé la palette Action, c'est la Don't Sugar Coat. Donc j'ai utilisé deux fards et franchement, avec pas de base à paupières. Franchement, j'ai pas mis de base à paupières, etc. Ça s'est passé vraiment pas mal du tout. J'ai utilisé les deux, je vais vous montrer avec une main. Je crois que ça va être compliqué. J'ai utilisé les deux marrons ici là. Et franchement, alors je suis retournée évidemment plusieurs fois, mais pas tant que ça. J'avais la couleur à peu près tout de suite. Le marron plus foncé, j'ai mis en coin là. Je suis pas retournée les deux fois.
2200, pardon. Franchement, elle est vraiment pas mal à tester, évidemment, parce que j'ai testé que deux phares. Et du coup, pour le phare bien magnifique que j'ai, c'est de la palette comme ça de Pat McGrath. Et j'ai utilisé évidemment le Catchy. Franchement, une chose. Pour avoir testé juste un phare, j'ai utilisé au doigt et ça a pris 2 secondes. Je suis même pas retournée une deuxième fois ou vraiment un tout petit peu. Mais franchement, une tuerie. À tester plus longuement, évidemment. Mais franchement, pour ce look là, franchement, ça se travaille pour moi très bien. J'ai juste fait comme ça en fait. J'avais la couleur directe comme ça. Je ne suis pas retournée, je suis retournée juste pour le point là, parce que j'aime bien quand ce soit, quand c'est bien précis, quand c'est bien fait correctement. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup trop. Donc j'ai pas mis de mascara. Je me disais bien, il y a un truc qui ne va pas. Donc je vais mettre du mascara. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Sunday Funday de Too Faced, comme ça là. Alors, ils sont très bien, très confortables, mais j'ai les lèvres desséchées en ce moment. Et du coup, là, ça va le faire parce qu'ils sont confortables, mais on voit quand même. Je sais pas si on va voir, mais on voit quand même que j'ai un petit peu les lèvres un peu sèches. Et au niveau du bronzer, j'ai testé le matte bronzer de Milk. Comme ça là. Ici. Non, il n'est pas là. Il est là-bas. Et pareil, c'est une première fois. Mais je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Enfin, malgré plein, j'ai l'impression d'avoir une trace, mais je ne sais pas trop. C'est un premier test. Donc on verra bien. Pareil, au niveau de l'highlighter, la base, c'est le Lit pareil, de chez Nick. Donc je vais pas mal tester de nouveautés aujourd'hui. Mais voilà, j'ai tellement de nouveautés que je pourrais pas tout tester en vidéo. Malgré que je fasse 2 ou 3 vidéos, je pourrais pas non plus tout tester. Donc je me suis permise. Donc franchement, belle découverte qu'il y a aujourd'hui. Donc je vais mettre mon mascara avant d'oublier ce que c'est possible. Je vais essayer de brosser mes sourcils, mais je sais pas si ça va le faire. Je vais essayer, on verra bien. Si je vois que je me fais mal, j'arrêterai. Mais voilà pour le petit make-up du jour. Je suis désolée si ça tremble, mais c'est mon bras qui me fait beaucoup moins mal, mais qui me fait encore mal. Donc voilà, je vous laisse. Il faut que je... Bon, je suis dégoûtée. Faut que je le mette à la poubelle. Celui-là, il est le plus bon. Il est tout sec. Franchement, j'ai dû mettre un autre mascara. Franchement, je l'aime trop. Faut que je le retrouve. Parce que j'aime trop ce mascara. Franchement, je l'ai terminé. Et aussi parce qu'il a séché. Donc, je suis dégoûtée. Si vous voulez, c'est le Fuller Longueur. Alors, moi, je l'aime mettre, mais en première couche. Et après, on met un autre. Et je trouve que ça fait toute la différence. Donc, il va falloir que je me le retrouve quand je serai à Primark. Mais franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée d'avoir terminé. Et c'est un des premiers mascaras que je suis aussi dégoûtée de l'avoir terminé. Et pourtant, c'est un mascara qui coûte, je sais même pas combien. Je sais même pas s'il coûte 3 €. Donc, des fois, ça veut rien dire. Donc là, du coup, j'ai mis le plus que je puisse. Et j'ai mis le Bad Girl Bond, et ça, j'aime beaucoup la brosse. Donc, à voir si j'aime détourner celui-là, mais j'ai un autre. Voilà. Donc, je vais m'habiller, je vais mettre dans mes produits terminés, que je vais bientôt vous tourner, puisque là, ça commence à déborder, sachant qu'il y a des bougies aussi. Donc, voilà. Bref, je vous laisse. Bon. Est-ce que vous devinez? Du coup, on y va pas ce matin. Voilà, je me suis un petit peu préparé les matchs pour pas grand chose. Donc bon, on va garder le sourire. Du coup, je vais ranger un petit peu. Et Hatch, moi, là, c'est une bonne. Bref, voilà.
On y va, c'était après, elle m'a dit, alors, je comprends pas le concept. C'est ma mère, elle m'a dit, ah, je lui ai dit, bah, tu peux pas conduire. Enfin, voilà. Et elle m'a dit, ah, mais je peux pas, j'ai ma piqûre, parce qu'elle a une piqûre de... Je crois que c'est son diabète. Je suis pas sûre. Mais elle a une piqûre par semaine. Donc je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait réveiller? Bon, je me serais réveillée quand même. Mais je me serais pas pour matcher, pour rien, entre guillemets. Oui, t'as ça fait, hein? Tout à fait là. C'est pas bien, hein? Il le sait en plus. Donc lui, il dit, oh, du coup, il est reparti. Du coup, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as fait lever, préparer, pour au final me dire, ah bah non, j'ai ma piqûre. J'attends sa réponse, on verra bien. Mais du coup, je me retrouve matchée pour rien, alors tu aurais pu vous filmer une vidéo. Donc je suis un petit peu saoulée. Voilà. Et je vais pas me rematcher pour me rematcher, non. J'aime le maquillage, mais pas à ce point-là. Voilà. Puis surtout, j'ai la flemme, donc je vais rester comme ça. De toute façon, j'aime bien le maquillage. Donc voilà, je vais rester comme ça. Bon, bah, je vais rattraper un crédit de lac. Je vais pas vous montrer parce que. Vaut mieux pas. Je vais ranger un peu. Je vais mettre un peu la tête parce que j'ai mal au bras. Et que je l'ai pas mis hier, je l'ai mis. Non, j'ai pas mis hier et du coup, je le paye aujourd'hui. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais rattraper les conneries de lac et du coup, je vais ranger un petit peu ma cuisine. Je sais pas si je vais faire un live sur Insta, peut-être, on verra. Mais à ce temps-là, j'ai un doute que c'est quelqu'un. Donc on verra bien, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Hein, hein? Hein? Monsieur qui fait des bêtises. Monsieur qui fait des bêtises pendant que je dors. Hein? Monsieur bêtise. Qu'est-ce que ça fait? Hein? T'as fait une bêtise? Ouais, fais le malheureux. Bon, je vous retrouve, je suis devant. Mon bordel sur la table. Il est midi 50, j'ai mangé. Il y a un petit moment parce que j'avais faim, du coup j'ai mangé un petit peu avant midi. Alors, je vais changer de rouge à lèvres parce que j'ai mangé, j'ai bu et que mon rouge à lèvres est parti et je voulais changer. Donc, enfin, en fait, non. C'est pas à la base, je voulais remettre le même, mais je le trouve pas. Je crois que j'ai dans la salle de bain, mais j'ai pas regardé donc tant pis. Mais du coup, j'ai mis ce rouge à lèvres là, donc j'ai mis les lingeries push-up. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est le long lasting lipstick. Donc, par contre, j'ai l'impression qu'il repulpe un peu les lèvres, puisqu'il y a un espèce de goût de menthe dedans, un effet un petit peu mentholé plutôt. Donc, là, sur les lèvres, j'ai le Astor Hour, c'est celui que je porte clairement le plus. D'ailleurs, ça se voit, il est crado. Et il est, franchement, il est trop beau. Et là, aujourd'hui, je l'ai mélangé. Alors, celui-là, c'est le corset. Par contre, le corset, j'adore la teinte. J'adore la teinte. Sauf qu'il n'est pas du tout mat. Il y a des espèces de paillettes. Je vais essayer de vous montrer. Et je l'ai vu tout après, quand je l'ai acheté, je l'ai mis, etc. Je vais mettre sur moi et je vais vous montrer. Je sais même pas si on a vraiment quelque chose. Mais il n'est pas totalement. Ouais, bon, bref. Il n'est pas du tout totalement mat et du coup c'est dommage. Mais ça m'empêche pas de le mettre. Du coup j'ai voulu le mettre au centre un peu et c'est pas trop trop mal. Et là j'ai le exotique aussi mais je le mets moins. Pourquoi je sais pas parce que pourtant j'adore la couleur mais du coup voilà pour je suis toujours matchée. Je vais essayer de tenir pour ne pas faire de sieste et comme ça je dormirai mieux ce soir. Je sais, en plus, j'ai pas envie de me dématcher là, ce serait tellement dommage. J'aime tellement le rendu. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un live, donc je pense que je vais faire un live sur Instagram. Franchement, si vous me suivez pas sur Insta, alors j'ai changé mon nom parce que Hello Makeup ça me saoulait. Autant ça me saoule pas trop pour YouTube, mais alors. Ok.
Mais autant pour un stage. Ennuyeux à mourir. Il nous faut quelque chose de nouveau, plein de fraîcheur. Comme les vampires et les loups-garous. Je t'en parle, ça a au moins le mérite d'être populaire. Ça va enlever. Vas-y, donne-moi des idées, je t'écoute. Je me concentre une minute. Où est-ce que tu vas? Quelque part. Attendez. Ça évacue la princesse. Et du coup, je disais que du coup j'ai mis c'est Mademoiselle Nature. Comme ça, je sais pas si on va rater quelque chose. Mais du coup, c'est comme ça. Et du coup, j'ai pu enfin reposter une photo parce que avec des bleus, c'était un peu compliqué de poster des photos. Donc j'ai posté cette photo là. J'ai bien envie de la mettre en nouveau photo de profil, pourquoi pas sur YouTube. On verra, j'ai pris d'autres photos encore, donc voilà. Et en ce moment, j'aime bien ma nature de cheveux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, je vais voir demain si je vais pas me faire... Bien sûr. Si je vais pas me faire une frange, en fait. Je me pose la question de si je vais me la faire avant d'aller chez le coiffeur ou en même temps. On verra. Si je peux, demain, je me la fais. Faut juste que je sache combien, parce que... Voilà. Cet après-midi, du coup, j'ai reçu un mail, j'avais un petit peu peur, parce qu'à la base, j'ai commandé, en fait, une commande sur Jennifer, avec, parce qu'il y a la collection Riverdale, et en fait, quand j'allais sur mon profil pour voir la commande, il n'y avait pas de commande, donc j'ai dit, bon, c'est bizarre, j'ai commandé, mais il n'y a pas, donc... J'ai eu un doute en me disant, bah peut-être que j'ai pas commandé. Alors, c'est bizarre, mais enfin bref. Et du coup, j'ai dit, bon, bah je vais attendre. On verra bien. Peut-être que c'est juste un bug du site et que j'ai vraiment commandé, donc je vais attendre. Et là, j'ai reçu le mail en disant que, bah du coup, j'ai ma commande, elle est en magasin, donc je montrerai. Tout ça, j'avoue, j'ai hâte parce que. J'étais un petit peu déçue quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de commande et tout. J'ai failli recommander. Heureusement que j'ai eu la patience d'attendre et que je me suis pas dit bon bah je la recommande. Je l'aurais eu en double donc ça a été un petit peu débile. Donc voilà. Bref. Je vais vous laisser. Je vais reprendre mon moment. De la délire, je vais sûrement faire un live parce que je pense que je vais pas en faire au mois de décembre, donc du coup je profite au max. Donc voilà, gros bisous, à plus tard. Et j'ai mis mes boucles d'oreilles que j'aime beaucoup, qui viennent de chez Primark, et j'aimerais bien en trouver des un peu similaires en vrai et pas en touch, mais bah après celle là franchement elles me font pas du tout mal, elles me font pas du tout mal, donc de toute façon les boucles d'oreilles Primark, je trouve que c'est de la bonne qualité hein, pour du touch, puisque elles m'ont jamais fait mal aux oreilles, alors que celles de Teddy Wedge, mais jamais je lâche plus parce qu'elles me font à chaque fois, elles me font saigner et elles me font hyper mal, donc bon, je suis de retour, on me coupe la tête, n'est-ce pas grave. Alors, je suis revenue là, je suis en mode complètement KO. J'ai pas fait de sieste. Je suis complètement KO. J'ai mal au crâne et tout, enfin bref. Je vais vous montrer mes achats chez Action. Alors premièrement, j'ai vu ça, alors, je suis pas hyper fan de tout ce qui est, c'est les multitudes, donc ceux qui sont plus de ma génération, même plus vieux, ils connaissent, je sais que ma soeur, elle le fait, donc c'est là que j'ai trouvé trop chaud. Et après vous faites, il y a des autres derrière, vous savez que ma mère en a pris deux je crois. Donc je crois.
Ça, je crois que c'était 2 euros. Je me suis les chips, j'en ai pris deux. Du coup, bah, je me suis pris une bougie parce que j'avais complètement zappé la dernière fois. Enfin, je croyais, mais au final, non. Je me suis pris ça parce que j'aime bien. Mais pour rater c'est au chocolat au lait. Là, j'ai l'impression que c'est au chocolat au lait. Voilà. Ça, j'aime trop. Et voilà pour le fond, là, je vais récupérer ma commande. Sauf que, évidemment, ma mère m'a dit, ah tiens, ça te ferait bien. C'est vrai que j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Donc, évidemment, je vais craquer. Bon, je vais faire une chose. Je pense qu'elle sera postée d'ici là. Mais j'avais posté une photo avec. Quand je l'avais essayé, j'avais bien aimé. Je pense c'est une jupe. Enfin, non, une robe. Comme ça, en espèce de signe de cuir. Donc, alors, je vais vous la mettre correctement. Donc, j'ai pris du S, mais c'est vrai que le rayon du S, ça aurait peut-être été un peu mieux. Donc, elle est comme ça, c'est une espèce de salopette en signe de cuir. Elle a des poches. En fait, elle me fait beaucoup penser aux robes en jean de Tiani que je mets tout le temps, plus la jean que la noire, mais du coup ça me faisait beaucoup penser à ça. Et je serais très bien pour m'emporter ça, genre même avec le pull que j'ai là, ça faisait hyper beau. Donc ça m'a coûté 22,99€, donc 23€. Je trouvais ça pas très cher pour une robe en fait. Donc ça, voilà. Ensuite, le reste de la commande, alors je sais pas du tout. En vert ou quoi que ce soit, mais ça c'est le t-shirt avec derrière. J'avoue, j'ai un petit peu par détail, mais voilà. Donc, oh, il est beau. Donc, c'est le t-shirt. Bah, j'ai bien fait de prendre du lipstick avec marqué Riverdale ici et derrière le fil de Southside. Comme ça, donc j'ai hâte de le porter. Voilà. Le sweat. Pareil, j'ai un petit peu peur de la taille. Oh, j'ai eu peur. Donc, c'est le sweat qui a pris S que je voulais du loose. Je suis en train de faire tout en ligne. On adore. Donc, il est long. Bah, moi, hein. Cool, ça va aller, je pense. Donc, pareil, il y a marqué Riverdale et derrière. Là, par contre, je pense que je vais l'essayer pour vous montrer. Il y a le cible. Oh, my God. Je suis trop ravie. Je suis ravie. Je vais partir et je vais vous montrer après. C'est obligé. Bah, franchement, j'ai bien fait de prendre du S. J'aurais pu même plus prendre du M parce que une taille pas si oversize que ça. Donc là, il y a le style. Je vais vous montrer derrière. Mais je sais pas si je vais vraiment y arriver. Mais je suis rase. Je sais pas si ça va se voir. J'aime trop. Genre, il va trop bien. Genre, je suis trop contente. Honnêtement, je suis ravie. J'avais un petit peu peur justement qu'il soit un peu grand et ça. Et au final, il est parfait. Franchement, je suis hyper contente. Je suis ravie. Ravie. Je suis hyper ravie. Oh, je suis ravie. Je suis trop contente. Bon, par contre, celui-là il est un petit peu long, mais c'est pas plus gênant que ça. Honnêtement, je sais même pas si on va voir quelque chose. Et là, on voit mieux. Franchement, par contre, ils sont hyper fins. Enfin, celui, le t-shirt, il est hyper fin. Donc, je pense que je vais essayer de le porter avec un soupçule et ça. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc, je suis vachement contente de ma commande. On voit plus ma tête. Tout voilà. C'est un peu n'importe comment.
Donc voilà pour mes achats. Honnêtement, là, je vous laisse. Je vais voir la taille du LOL, sinon je couplerai avec demain. Voir si je vais chez le coiffeur ou pas. Mais finalement, j'ai plus les sous pour. Donc, on verra bien. Voilà, là, je vais mettre dans le canapé parce que j'ai un mal de cou et de tête horrible. Je pense que ça faisait bien deux semaines que j'avais pas mal comme ça. Donc quand c'est comme ça, il y a déjà un seul remède. Faut que je me mette dans mon lit, couché limite au noir. Et me reposer au maximum. Il y a tout ça qui marche. Donc voilà, j'ai aussi envie de me poser au chaud. Parce que je vous avoue que dehors, je fais pas si chaud que ça, hein, honnêtement. Donc voilà, je vais vous laisser, à plus tard. Et je reviendrai avec vous, voir si je clôture aujourd'hui ou demain. On verra. Bon, je vous retrouve le lendemain pour clôturer le vlog. Parce que, en fait, je pensais honnêtement vlogger plus ou moins aujourd'hui. Mais je pense finalement pas, parce que de toute façon, il est déjà pratiquement midi moins 5. Enfin, là, midi moins 5. Et je vois pas l'intérêt, puis en plus je vais rien faire de très... Ok. Je vais rien faire de très intéressant, puisque de toute façon, je pense, chez le coiffeur, je vais aller avec mon coiffeur où je vais en ce moment. Si je vais pas demain ou peut-être plus jeudi, demain j'ai kiné. Donc du coup ça sera pas aujourd'hui, parce que je pense pas qu'il ait de la place, même juste pour une frange. Donc je pense pas, du coup je voulais clôturer avec vous aujourd'hui maintenant. Donc bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait quand même pas mal de bien de vlogger, parce que bah, je sais pas, ça fait toujours du bien, ça me bouge un peu, malgré que hier soir j'étais complètement KO, mais ça m'arrive. Ça m'arrive rarement, mais là j'ai pas fait de sieste parce que voilà, j'étais maquillée, j'avais pas envie de maquiller, j'aimais trop mon maquillage, etc. Donc je me suis démaquillée que en revenant d'avec ma mère, donc ouais, c'était bien temps, mais franchement, voilà, du coup je vais finir, je pense, une vidéo de jeudi. Soit matin, soit après-midi, on verra. Je pensais filmer aujourd'hui et au final je suis hyper fatiguée. Je pense pas faire énormément de choses. Je vais juste peut-être ranger un petit peu, parce que là c'est un petit peu la cata. Mais il faut du lave aussi. Ma salle, parce que c'est sale comme jamais. Ma chambre aussi. Donc voilà, plein de petites choses, mais qui sont vraiment pas intéressantes. Là je suis avec du chocolat. Non, mais Kinder Bueno, que j'ai acheté hier, et il en reste même pas la moitié. Donc il faut jamais me mettre de Kinder Bueno, parce que c'est fatal. Que moi, si vous mettez de Kinder Bueno, je vous vide le paquet, hein. C'est comme ça, j'ai toujours adoré les Kinder Bueno. Voilà, bref, sur ce je vous laisse. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je verrai si je revlog d'ici là. Je pense pas. Ou alors vraiment, ça sera au dernier moment. Donc voilà. Et au fait, j'ai commandé chez Sephora la fameuse palette, la Hot Buttered Rum. Elle est sortie. Donc je l'ai commandée. Hein. Voilà. Et je me suis pris un rouge à lèvres L'Oréal, vous verrez. De toute façon, je vous montrerai soit dans un vlog, soit dans un live, ou sur Insta. Voilà. De toute façon, vous y verrez de toute façon. Donc, je suis assez excitée. Je prends Colissimo, donc j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas de problème. Ou quoi, parce que moi, avec Colissimo, j'ai toujours des galères. Je les prends vraiment tout quand je suis obligée, en fait. Bref. Sur ce, je vous laisse, gros bisous et à bientôt dans un nouveau live. Tchuss. C'est mon nouveau au revoir. Bisous.